Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve directement face à pour une vidéo haul spéciale yaoi. Comme ce mois-ci, j'ai acheté quand même 7 yaoi, je me suis dit qu'autant faire une vidéo spéciale là-dessus. Surtout que ma vidéo haul en dehors des yaoi était déjà plutôt longue, donc j'ai préféré diviser ça en deux. Et sur Instagram, je vous ai demandé si ça vous plaisait ou pas. Bon, c'est vrai que ça a été quand même assez égalité au niveau des résultats, mais quand même le côté fait deux vidéos l'a emporté, donc me voici. On va donc commencer ce haul avec le manga Castle Haven des éditions Taifu. Donc comme tu peux le constater, c'est un tome 1, donc il faut savoir que le manga est en plusieurs tomes, mais je t'aurai mis les informations à côté de moi. Donc comme j'avais une commande à faire sur la Mimomox, j'ai tout simplement craqué et je me suis acheté le tome 1. C'est parti en ce qui concerne la qualité du dessin. Hop là. Elle est plutôt pas mal. Ah, il y a peut-être un personnage féminin. Il serait peut-être pas dans une école spéciale homme. Ça serait pas mal pour une fois. Voilà. On va donc continuer la vidéo avec mes achats de chez Boys Love. Et donc, du coup, j'en ai acheté 6. En fait, tout simplement, dans les sorties, il y en avait 5 qui m'intéressaient. Sauf que l'un d'entre eux était un tome 2. Donc, j'ai tout simplement acheté aussi le tome 1. On va commencer avec les talons d'aiguille rouge, à aiguille rouge, voilà. Pour l'arrière, je te montre vite fait, il n'y a pas grand chose. Pour ce qui est de la qualité du dessin, c'est compliqué de te montrer au niveau des premières pages parce que les premières pages sont directement assez mouvementées. Et voilà en ce qui concerne du coup ce premier yaoi. On va attaquer avec le deuxième. Je vais éviter de prononcer le nom tout simplement parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà, une couverture très colorée et qui me plaît énormément. Pour ce qui est de la qualité du dessin, je vais la découvrir par contre pour cette vidéo en même temps que toi, parce que tout simplement ma commande Boys Love, je ne l'avais pas ouverte avant. Je l'avais reçue, mais comme je savais que j'allais faire une vidéo haul très rapidement, bah, tout simplement, je n'ai pas été plus loin. Je l'ai laissé pour l'ouvrir avec toi. Voilà. On continue avec le troisième yaoi qui est donc celui-ci. Voilà pour les couvertures. Encore une fois, une couverture très colorée, même s'il n'y a pas trop de couleurs, mais on est quand même sur du rose que j'apprécie énormément. Une qualité de dessin plutôt sympa, assez simple mais efficace, je trouve. Voilà, hop. Et on va terminer avec cette page. On continue avec un nouveau manga, Boys Love Anna Collection, mais il me semble qu'il est sorti il y a un petit moment. Mais en fait, c'est de l'auteur Inako, qui est un mangaka que je t'ai déjà présenté sur la chaîne, donc j'ai tout simplement craqué pour ce manga. Et une fois de plus, une couverture très colorée, donc ça me plaît. Et on va découvrir ensemble donc la qualité du dessin, qui est plutôt pas mal. Voilà. On termine donc avec cette série et donc comme tu peux le constater, j'ai acheté le volume 2 tout simplement parce que c'était le manga qui était en deux tomes qui se terminait ce mois-ci et j'ai donc acheté le tome 1 que je dois recevoir aujourd'hui par Amazon et je précise que le jour où je filme, on est donc le mercredi 28, donc je suis encore dans mes achats du mois et voilà, donc je te montrerai tout à l'heure juste après la qualité des dessins avec le tome 1 bien entendu. Voilà en ce qui concerne donc le tome 1. Et à aucun moment on voit en fait que c'est un tome 1. Pour ce qui est donc de la qualité du dessin. Là, voilà. Cette vidéo yaoi est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésite pas à me dire si tu aimes ce format uniquement fasta par exemple pour une vidéo spéciale yaoi. Ça me permettra de savoir pour les prochains mois. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour un nouveau haul. A bientôt !